Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies de l'année 2021. Après avoir vu la numérologie de l'année, je vous propose aujourd'hui de voir l'analyse du tarot. Alors ce n'est pas une étude complète puisque je ne me suis intéressée qu'à quelques symboles, ceux qui attiraient mon attention et donc mon intuition évidemment. Donc mes démarches pour arriver à telle ou telle conclusion, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, sont souvent tirées par les cheveux et c'est beaucoup le hasard en fait qui guide le chemin de mon intuition. Dans le grand guide astro, vous y trouverez sans doute plus d'éléments que dans cette vidéo. Vous découvrirez davantage les détails. Donc je vous invite à aller le lire si vous le souhaitez. Après tout, je ne les ai pas écrites pour rien. Bref, ne perdons pas plus de temps. Voyons quelles sont nos cartes de l'année. Donc je n'ai pas tiré des cartes au hasard. J'ai pris les lames qui sont en correspondance avec le chiffre 5 qui est la vibration de notre année. Par ailleurs, n'hésitez pas à voir ou revoir la vidéo sur la numérologie de l'année. C'était la première vidéo. Nous avons donc en carte principale celle du pape, puisqu'elle porte le chiffre 5, tempérance, car on obtient 5 en réduisant le nombre 14. Nous avons également les 4 lames mineures du tarot qui portent le chiffre 5. Et nous avons d'autres lames importantes avec le diable qui comporte le chiffre 5 dans son nombre 15, le jugement pour le 20 et le monde pour le 21. On pourrait également prendre en compte la papesse, le mât et le battleur qui portent les chiffres 2, 0 et 1. Alors commençons tout d'abord avec la lame numéro 5 qui est la lame du pape. Après l'empereur qui représentait l'année 2020 qui était en vibration 4, figure du pouvoir temporel absolu, nous avons donc cette année le pape qui est la figure du pouvoir spirituel absolu. À travers l'histoire et les époques, on retrouve des significations plus ou moins communes de cette lame. De nos jours, on pourrait dire que ces différentes significations se sont cumulées et qu'elles sont finalement choisies lors des interprétations en fonction de l'intuition et de la question qui est posée au départ. De nos jours, et habituellement, le pape est interprété comme un conseiller, un protecteur, un enseignant, mais aussi comme un guérisseur, un philosophe ou encore un guide spirituel. C'est le père âgé ou le grand-père, un homme d'expérience qui a déjà tiré des leçons de l'existence et qui transmet sa sagesse aux plus jeunes. Il représente aussi l'officialisation, que ce soit au niveau d'une relation ou d'un contrat de partenariat, avec généralement une bénédiction ou de la réussite à la clé. Au niveau spirituel, c'est une carte qui indique, entre guillemets, la bonne voie, la protection, l'ouverture de conscience ou encore les enseignements. Mais pensiez-vous ou saviez-vous que la lame du pape est aussi associée à l'abondance, l'ensemencement, la science du bien et du mal, la divinité, la création, la régénération, le libre arbitre, l'intuition, la voie de passage entre le céleste et le terrestre, la morale. Entendez-vous son message de mise en garde? Comprenez-vous qu'il vous indique que vous êtes les maîtres de votre propre destin et que les résultats ne dépendent que de vos actions, de vos décisions, de votre capacité à lutter contre les tentations, la paresse et les facilités, mais aussi contre les besoins de l'ego que nous cherchons tous à combler? Comprenez-vous qu'il nous indique que dans le monde physique, point de sauveur réel. Nous sommes tous acteurs et créateurs, que nous avons tout le pouvoir nécessaire pour faire ce que bon nous semble. La seule condition du pape est d'être dans la morale, dans la droiture, dans le respect, dans les seules actions et pensées qui sont pour le bien de tous. Comprenez-vous ou saviez-vous que cette carte, bien que promettant un résultat positif, n'a jamais dit que ce serait facile ? Le pape est bon conseiller et il nous conseille de suivre notre voie, notre route, notre destin sans en dévier, avec foi et confiance. Il nous met principalement en garde contre les déviances dont nous avons tendance à faire preuve. Déviances que nous verrons plus tard seront proposées à grande fréquence par la lame du diable. Alors oui, j'y vais fort dès le départ, mais comme je résume ici mes recherches, je veux que vous compreniez rapidement où l'on va.
Lorsque j'interprète moi-même une carte, je me laisse toujours guider par un ou deux de ces symboles, afin de ne pas m'égarer dans les différentes possibilités d'interprétation. Cette année, dès que j'ai vu la carte du pape, j'ai été attirée par le chiffre 5, le V, et par le sceptre. Et c'est des recherches sur ces deux symboles que j'ai retrouvé toutes les définitions et interprétations du pape que je viens de vous citer. Certaines sont connues, car elles ont traversé les époques, parfois en se déformant quelque peu. Les principales interprétations de cette carte positive que je vous ai donnée au début ne sont souvent pas comprises dans leur intégralité. D'autres ont carrément été occultées ou oubliées. C'est dans l'approfondissement de ces deux symboles principaux de cette carte du pape que je vous emmène à présent pour découvrir le message spirituel de notre année. Puis, nous approfondirons ce message dans sa compréhension par toutes les autres lames de l'année. Nous comprendrons alors toutes les grandes tendances qui peuvent se produire concrètement en 2021. J'ai donc commencé par m'intéresser au sceptre tenu par le pape. Notez que dans le monde physique, le pape possède ce sceptre. Il s'agit en fait de la triple croix, symbole originaire d'Égypte en rapport à la légende du triple phallus. Pour comprendre cette légende, il faut comprendre le mythe d'Osiris, dont voici un bref résumé. Osiris régnait en Égypte avec Isis, sous le signe de l'harmonie cosmique. Il était aimé de tous pour ses bienfaisances et était l'inventeur de l'agriculture et de la religion. Il fut assassiné par son frère Seth. Seth qui le découpa en plusieurs morceaux et répartit les morceaux à travers le monde. Isis rechercha les morceaux afin de les rassembler, mais il manquait le phallus qu'elle recréa. La légende indique que c'est par ce phallus recréé qu'Isis a pu être fécondé et permit ainsi la conception d'Horus. Osiris, alors lié à l'agriculture, à la régénération de la nature, fut également associé à la vie, à la naissance, la renaissance, la procréation, la création, le soleil. Par Osiris, on demandait à recevoir l'abondance, la lumière, la sagesse. La christianisation a restreint le phallus à l'acte sexuel et les symboles phalliques se sont vus classés généralement comme obscènes. Sa signification, pourtant liée à l'abondance, à l'ensemencement et les récoltes, s'est complètement effacée. Pourtant, le culte du phallus a longtemps été célébré et honoré à travers le monde. La religion chrétienne n'a gardé que l'idée de conception en dehors de l'acte physique. Sur le mythe d'Osiris, j'ai trouvé ceci sur le site de Wikipédia. Le martyr d'Osiris lui vaut de gagner le monde de l'au-delà dont il devient le souverain et le garant suprême des lois de la Maat. Dans son nouveau royaume, son autorité s'appuie sur une armée de démons capables de gagner le monde terrestre et d'infliger des épidémies mortelles. De ce mythe d'Osiris lié à la création, à la procréation, à l'ensemencement, à l'abondance, vint alors s'ajouter une idée de menace planante, de jugement divin, d'absolution. C'est un peu l'idée que montre la lame du pape. Je te mets en garde, je te protège et te soutiens, mais si tu dévies de ta route, gare à la sentence. Je ne te condamne pas, tu te condamneras toi-même. Voilà ce que semble dire le pape. On peut également établir l'origine du culte du phallus, mis à part la légende d'Osiris, dans celui des astres, dans l'ère du taureau, signe de la saison du printemps, symbole du soleil printanier, régénérateur de la nature. C'est de l'organe reproducteur du taureau qu'est né le culte du phallus, et non de celui de l'homme, comme on l'a cru ou laissé sous-entendre. On parle aussi du bouc à la place du taureau. «
Si le culte du phallus assure l'ensemencement en promettant de bonnes récoltes, les cornes du taureau, elles, activent le soleil pour permettre une meilleure croissance des plantes et donc une abondance de récoltes. Parfois, la corne était simplement représentée tenue dans la main. Elle devint plus tard ce que vous connaissez sans doute aujourd'hui, la corne d'abondance. La croix et la triple croix que l'on voit sur la lame du pape ici seraient alors issues de la lettre T pour taux, T-A-U. Croix que l'on retrouve dans de nombreuses représentations égyptiennes, mais que l'on retrouva également dans de nombreuses civilisations grecques, romaines, gauloises, espagnoles, chez les Indiens, chez les Mexicains, etc. On retrouve ce T dans le symbole de la triple croix tenue par le pape. Ainsi, rien que ce symbole de la triple croix apporte à la carte du pape les notions d'abondance, de régénération, de puissance solaire, d'autorité, de triomphe, d'ensemencement, de récolte, de création. Osiris enseigna aux hommes l'agriculture. Comme on dit, donne un poisson à un homme, il pourra manger une fois, apprends-lui à pêcher. Il pourra manger toute sa vie. Osiris enseigna donc l'agriculture et apporte à la lame du pape la notion d'enseignement. Mais il y a déjà ici une grande ambiguïté qui se pose. Si la triple croix représente la lettre tau pour le taureau, représentant les cornes, qui étaient parfois représentées par le bouc, et sans aller trop loin dans le détail maintenant, si l'on regarde la main du pape qui donne la bénédiction latine, et si l'on regarde les doigts qui pointent vers le sceptre, vers le symbole tau, alors peut-être qu'il est justement en train de nous mettre en garde contre cette forme d'abondance, celle qui promet tout, qui donne tout, et qu'il nous indique que tout doit être utilisé dans une juste mesure. En restant dans la voie du milieu, sans aller dans les excès sur les côtés, mais rester bien droit comme le sceptre. Rester dans la voie du milieu, comme je vous en parlais avec l'énergie de la vibration 5 en numérologie. Mais n'allons pas plus loin dans ce symbole-là. Ensuite, je me suis intéressée au chiffre 5. Chiffre 5, représenté en lettres romaines par la lettre V. Alors, encore une fois, je sais que c'est farfelu, mais si vous regardez attentivement la carte du pape, vous voyez ici un autre V à l'envers. On obtient alors sur la lame du pape les symboles de l'équerre et du compas. Le 5, le V en haut de la carte étant l'équerre, et le 5 renversé dans le bas de la carte étant le compas. L'équerre représente la régularité et la perfection, mais aussi l'honnêteté, la droiture, la vertu. Elle doit inspirer la droiture dans les pensées et les actions. C'est en quelque sorte le symbole de la loi morale. L'équerre représente aussi la terre et la matière. Dans ce sens, la lame du pape nous invite donc à travailler sur nous-mêmes pour que nous soyons droits, pour que nous puissions nous élever le plus haut possible tout en étant dans la moralité et la justesse de nos pensées. Si l'équerre est synonyme de rigueur, le compas est synonyme de création et ou d'esprit créateur. Il est associé à la sagesse de l'esprit. Le compas est à la fois la rigueur de la mesure,
la liberté de la créativité et le dynamisme et l'harmonie dans la recherche de la vérité. C'est le pouvoir de la création dans la matière, création ou réalisation des pensées créatrices. Ces deux notions, d'équerre et de compas, ajoutent à la lame du pape le rôle de l'être humain sur terre et celui de son pouvoir, celui de créer ce que bon lui semble, en conscience, en étant responsable, juste et équitable pour tous. Il nous demande de nous élever dans l'esprit ensemble et dans la moralité. C'est dans la droiture de l'esprit qui est ici en haut de la carte et dans le respect des lois divines que l'on peut créer dans le monde concret, dans la morale et l'éthique. Je ne vais pas plus loin dans l'interprétation de ces symboles, mais nous pouvons constater ici, avec le 5 ou le V, la connexion aux énergies célestes, et ici en bas avec le 5 inversé, la connexion aux énergies terrestres. Alors, même si commencent à apparaître des questionnements, des dissonances dans cette carte, il faut quand même comprendre que la carte du pape est une carte positive. Et comme vous le savez, pour moi, il n'y a jamais de positif et de négatif. Il y a juste une polarité en fonction de la perception. Donc, la carte du pape représente également tout l'inverse. L'intolérance, la sévérité, le fanatisme, la parole critique, l'esprit étroit, la paresse, la capacité à se laisser aller aux tentations, à être sectaire ou encore à rester sur ses acquis et ses vieilles croyances. Au niveau de la santé, par exemple, la carte du pape possède aussi deux interprétations très différentes. D'un côté, elle peut annoncer de la longévité, une santé solide, comme elle peut annoncer des problèmes liés au cœur, à la circulation du sang, à la respiration, mais aussi toutes les infections et maladies contagieuses ou épidémiques. Et cette notion de possible maladie contagieuse ou épidémique de la lame du pape, on le trouve dans la légende d'Osiris que je vous ai citée tout à l'heure, en disant qu'il était capable de gagner le monde terrestre et d'infliger des épidémies mortelles. Donc dans son sens positif, on a l'autorité morale, le respect, les conseils, la bienveillance, la générosité, l'indulgence, les enseignements. Et dans le sens négatif, c'est l'enfermement dans certaines croyances, certaines pratiques, l'esprit restrictif et celui qui manipule en instaurant une certaine peur ou crainte. Parfois, quand cette carte est tirée à l'envers, eh bien, elle peut indiquer d'être livrée à l'instinct, un peu comme si on était lâché par la puissance divine, que c'est une période obscure et difficile qui s'annonce, un peu comme si on allait être emprunt, je dirais, à la colère d'Osiris. Alors, il y a d'autres symboles sur cette carte, bien entendu. Je vous laisse faire vos propres recherches. Moi, j'ai été attirée par ces deux-là. Et juste comme ça, par exemple, le trèfle que l'on voit sur le gant du pape, eh bien, le trèfle est aussi un symbole qui peut signifier à la fois le repos, la chance, la prévoyance, mais également les représailles et la revanche. Vous voyez, dans chacun des symboles de la lame du pape, on trouve, en cherchant bien, les deux polarités. Et dans les significations habituelles de la lame du pape, eh bien, beaucoup de ces significations ont été occultées, oubliées ou ne sont plus utilisées tout simplement, sauf si la carte est tirée à l'envers. Et pourtant, même à l'endroit, le pape est avant tout, je trouve, une carte de mise en garde et aussi de pleine conscience. Donc la carte du pape en lui-même, qu'est-ce qu'elle nous annonce pour l'année 2021 ? Eh bien, cette mise en garde, justement, une année qui est liée à la fois à l'élévation des consciences, à la créativité, au fait de pouvoir trouver son chemin ou de s'ouvrir à de nouvelles voies. Il annonce également une sorte de soutien. Mais dans son sens des représailles, il nous indique que nous devons retrouver notre équilibre,
que nous ne devons pas nous laisser aller à la paresse ni aux tentations de ne pas devenir fanatiques ou critiques. Il invite avant tout à faire évoluer les croyances, à voir au-delà des apparences, comme nous venons de voir un peu au-delà des interprétations les plus courantes de la lame du pape. Il demande à ce que l'on retrouve une morale et aussi de ne pas reproduire des erreurs passées. Il est possible que des moments soient difficiles, mais surtout de ne pas perdre la foi et la confiance en soi. Dans son sens positif, il peut annoncer des révélations et même une forme d'abondance, une abondance liée à ce qui est semé. Et là, c'est moi qui vous mets un peu en garde avec ces notions-là, parce que l'abondance, c'est pas toujours quelque chose de positif. On peut être en abondance financière, par exemple, comme on peut être dans l'abondance de la ruine, hein, c'est-à-dire ne plus rien avoir du tout. Bref, dans son sens négatif, ensuite, on retrouve donc les maladies contagieuses ou épidémiques, les propagations de peur ou de menaces, cherchant à convaincre ou à soumettre. Mais le pape donne un sens aux événements vécus, il est la voix du cœur, il fait pont entre le cœur et la raison, si je puis dire. Il permet aussi de mieux gérer les émotions pour nous apprendre à en sortir l'idée principale qui est derrière, qui est cachée. Donc en fait, il nous conduit vers la réalité. Dans son interprétation d'enseignant, il apporte lumière, il permet d'accéder à des énergies supérieures, mais il peut aussi vouloir imposer ses idées sous couvert de notre bien. Hein, il peut imposer une religion, il peut imposer ses concepts, ses croyances, imposer ses règles, vraiment en nous faisant penser que c'est pour notre bien. Donc si on regarde bien dans ce sens-là, eh bien, le pape peut aussi exprimer donc, la dissimulation, les mensonges, les promesses qui ne sont pas tenues, les obligations. Il peut utiliser la culpabilité et le remords pour nous faire prendre au jeu, en mettant en avant notre conscience, notre manque de sens des responsabilités ou notre manque de connaissances. En gros, ce personnage bienveillant décide pour nous et nous oriente dans la voie qui lui semble juste. Avec l'autorité du pape, il est difficile de s'opposer, de remettre en question ce qu'il nous enseigne, de le contredire, de le démentir, puisque par définition, le pape, c'est la sagesse et la connaissance des deux mondes. Je vous laisse donc méditer là-dessus. Et tout en méditant là-dessus, vous devez être en train de vous dire, mais puisque le pape est une lame positive, comment peut-on en arriver à ces conclusions ? Bien, tout simplement parce que pour atteindre le résultat positif du pape, eh bien, il va falloir passer par des épreuves. Et ces épreuves, nous allons les trouver dans les autres lames du tarot, notamment dans les lames mineures, que nous allons maintenant définir. Nous allons donc voir à présent les lames mineures du tarot de Marseille qui portent le chiffre 5 et qui peuvent être reliées à la lame du pape que nous venons de décrire. Alors, il y a quand même des petites différences d'interprétation, par exemple, entre le tarot de Marseille et le tarot du Rider-Waite. Je ne vais pas vous faire tout le détail ici, vous l'avez dans le Grand Guide Astro 2021. Mais je vais vous donner un peu les grandes lignes de chacune de ces cartes. Alors, on va commencer avec le 5 des bâtons. Un 5 des bâtons dans le tarot de Marseille qui parle de conflit, de colère, de lutte, de nervosité, de manque de confiance. Et dans le tarot du Rider-Waite, eh bien c'est une carte qui parle d'énergie qui change de direction, qui parle d'être acteur de sa vie, de se donner les moyens d'avancer, etc. Donc c'est une carte finalement qui annonce des périodes difficiles, qui annonce certainement le fait de devoir batailler, donc des conflits qui peuvent éclater.
mais en même temps de ne pas se décourager. Il ne faut pas rester figé devant la peur, il ne faut pas se détourner des libertés, etc. C'est une carte qui parle de devoir garder courage, d'avoir du courage pour continuer d'avancer. Comme les bâtons concernent principalement l'activité, le travail, notre quotidien, etc., on peut en déduire au fait de devoir lutter, par exemple, pour conserver des emplois, en général avec une colère commune et sous-jacente. Donc ça peut indiquer qu'effectivement, nous assisterons à des pertes d'emplois en masse. Ça peut être également beaucoup de commerces qui ferment avec ce qu'on vit actuellement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait de devoir changer d'orientation, de développer d'autres activités, peut-être de faire apparaître de nouveaux emplois, mais des emplois dans des domaines très différents. Ça peut être aussi le fait de devoir se démarquer pour s'adapter à la concurrence. Dans tous les cas, avec cette carte du 5 des bâtons, il faut s'attendre à des manifestations, à de la colère. On peut s'attendre également à encore des restrictions au niveau des libertés individuelles et collectives, à des pertes d'avantages sociaux, ou alors à un remaniement des avantages sociaux. J'avais écrit ça dans le guide astro 2021 que j'ai écrit, je l'ai écrit vers avril-mai, par là je crois, et j'avais marqué que c'était dans un but d'équilibrer les différences sociales. Et c'est vrai que là maintenant, au moment où j'enregistre cet audio, on entend parler de mise en place, alors je ne sais pas si ça va se faire ou pas évidemment, mais que nous irions vers un revenu universel. Eh bien, alors que ça se fasse ou pas, c'est pour vous donner un exemple en fait. Le revenu universel, ça serait vraiment dans l'optique de cette carte du 5 des bâtons. Donc ça correspondrait à des pertes d'avantages sociaux pour certains et à des gains d'avantages sociaux pour d'autres, puisque le principe serait de rééquilibrer les différences sociales. Alors à l'époque, j'avais écrit également qu'on allait peut-être encore réduire nos déplacements, nous imposer des limites. Bon, en fait, c'est arrivé un peu plus vite que prévu, mais je vous ai dit, les énergies, on ne passe pas des énergies à une autre au 1er janvier. Évidemment, il y a des choses qui se mettent un peu en place avant, et puis les énergies de 2020 et 2021 se mélangent en fait dans le dernier trimestre. Alors ensuite, on pouvait voir sur la carte du Rider-Waite, notamment, la carte du 5 des bâtons, c'est un peu un air de révolution, un air de résistance. C'est tous ensemble, là, avec des barricades, en train de se défendre, ou voilà, de s'unir quelque part. Le 5 des bâtons, ça peut être aussi interprété comme le fait d'être dans un changement de paradigme, de devoir trouver d'autres voies, le fait de réorienter tout ce qui est en cours. C'est vraiment la possibilité, dans un sens positif, de remettre le train sur les rails, si vous voulez. Comme je vous parlais avec la numérologie de l'année, où il faut rester sur la voie du milieu. Donc si on a dévié d'un côté ou de l'autre côté, le 5 des bâtons permet de réorienter pour reprendre le bon chemin. Ensuite, on a le 5 des coupes. Les coupes qui parlent des émotions, des ressentis, des états d'âme, des aspirations profondes. C'est une carte, comme vous le voyez ici, elle est plus représentative toujours dans le Rider-Waite, puisque c'est illustré, mais elle représente le détachement, les regrets, le fait de devoir tourner une page. Elle nous parle de morale qui est plutôt bas. Elle peut indiquer le fait de perdre des choses, de devoir se séparer de certaines choses. Ça peut être aussi de se libérer, devoir se rendre compte des erreurs qu'on a pu commettre, de les dépasser, de ne plus s'attacher aux anciennes croyances, d'abandonner une situation, un projet, un lieu, des objets auxquels il y a des souvenirs rattachés. Ça peut être aussi le fait de devoir se séparer de certaines personnes ou de perdre des êtres chers. Elle peut aussi représenter des révélations ou des vérités blessantes. Alors c'est toujours des choses difficiles émotionnellement à vivre dans le moment présent, mais le pape nous dit bien que les émotions sont toujours en accord avec les situations vécues. Il ne serait pas humain, par exemple, de vivre quelque chose de très triste et d'être dans la joie au même moment. C'est pas logique.
Par contre, une fois que ces émotions ont été ressenties, qu'elles ont été perçues, il faut s'en détacher. Et en ayant conscience de ce qui a été perdu ou en ayant conscience de la page que l'on tourne pour ne pas reproduire les erreurs passées. Ensuite, nous avons le 5 des épées. Le 5 des épées qui a deux interprétations différentes entre le Marseille et le Rider-Waite. Dans le Marseille, il annonce des conflits, des conquêtes, la supériorité, etc. Un esprit combatif. Alors que dans le Rider-Waite, c'est une carte qui parle plutôt de défaite, d'avoir honte, de devoir se défaire de ses états d'âme, d'avoir des pensées fixes qui refusent d'évoluer ou de refuser de voir la vérité, etc. La carte du 5 des épées, c'est un peu, je dirais, après la pluie vient le beau temps. Elle nous annonce que le mental va être malmené, peut être manipulé, contredit. On peut voir des vérités soudainement et puis avoir l'esprit complètement retourné par rapport à ce que l'on pensait ou à ce que l'on croyait. C'est une carte qui indique que l'on se bat, je dirais, contre quelque chose de plus sournois, contre un adversaire peut-être plus fort qu'on ne le pense, ou pour des causes qui ne sont pas celles que l'on croit, et que rien n'est gagné d'avance. Hein. Cette carte, elle nous prévient bien que rien n'est gagné d'avance, et qu'il faut agir pour pouvoir avoir des résultats. Hein. C'est sûr que si on ne bouge pas, si on ne fait rien, bah, il n'arrive rien. Ou alors ce qui arrive, c'est qu'on finit par subir ce qui nous est imposé de l'extérieur. Je ne parle pas qu'au niveau collectif, hein, je parle aussi à un niveau individuel. Hein, si vous êtes assis devant votre télé, si vous n'attrapez pas la télécommande, les chaînes ne vont pas se changer toutes seules. Quoique maintenant, on peut parler à sa télé. Enfin, même là, il faut quand même faire l'effort de parler. Mais si par contre, quelqu'un entre dans la pièce, chope la télécommande et change la chaîne à votre place, et même s'il met une chaîne qui ne vous intéresse pas, eh bien, vous finissez finalement par subir le choix de l'autre. D'accord ? Voilà, c'était l'exemple bête du jour. Donc ce 5 des épées, moi je l'interprète surtout comme des hauts et des bas tout au long de l'année, au niveau du mental, au niveau du moral. C'est la sensation à des moments d'avoir remporté la victoire, de se sentir bien, de se sentir fort, puissant peut-être. Et puis passer d'un seul coup à la sensation d'avoir été manipulé, d'avoir été trahi. C'est un peu aussi ce qu'on croyait vrai ou on se rend compte que ce n'était pas vrai. Ou alors ce qu'on pensait impossible ou inimaginable qui prend réalité. Donc on peut tomber de très haut. En même temps, comme vous le voyez sur cette carte, hein, y a trois personnages. Chacun part dans un sens différent. Et c'est une carte qui parle de possible division entre les uns et les autres. Et c'est une division au niveau des idéologies, au niveau des croyances. Comme je vous l'ai dit, hein, la vérité n'est pas absolue. La vérité est vraie pour chacun d'entre nous en fonction de la réalité que l'on perçoit. Dans tous les cas, c'est une carte qui nous invite à faire fonctionner de manière intensive notre discernement. Vous ne pouvez compter que sur vous-même, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous percevez et dans les extrêmes, ne pas croire tout et n'importe quoi. Et puis il y a la carte du 5 des deniers qui est sans doute la carte la plus difficile à interpréter parce qu'elle est dure, cette image dans le Rider-Waite par exemple, hein, je vous la mets ici, où on voit ces personnages complètement démunis, malades, handicapés, freinés. Et c'est une carte qui peut parler autant de notre confort matériel, l'argent, le pouvoir d'achat, qui parle de santé. C'est possiblement le résultat de perte d'emploi, de perte financière, de crise financière. C'est la sensation que tout s'écroule, qu'on nous laisse tomber, qu'on n'est pas soutenu, qu'on ne nous soigne plus ou qu'on n'en a plus les moyens ou que les soins sont difficiles d'accès, voire refusés. Ça peut aussi être un manque de nourriture par des mauvaises récoltes. Alors, c'est vrai que ça fait penser à un mauvais film. C'est comme une lutte quotidienne, autant pour vivre, se nourrir, se soigner, etc. Il y a très peu de plaisir dans cette carte, donc les plaisirs, ces personnes-là n'y ont plus accès. Mais c'est quand même une carte hein, qui nous parle d'entraide
qui nous parle de guider, d'être confiant, de garder la foi, de ne pas se décourager, de ne surtout pas perdre espoir non plus. Et même si je vous ai dit que vous pouviez compter que sur vous-même, enfin sur vos ressentis, sur vos émotions, vos perceptions, en même temps, il faut oser s'entraider pour ne pas rester seul, ne pas avancer seul. Cette carte, elle nous montre aussi une image forte, hein, c'est que avancer dans le monde concret, sans but, sans foi, sans plaisir, eh bien ça conduit inexorablement à la tristesse. Donc on nous demande hein, de dépasser ça aussi, de retrouver quelque part notre joie de vivre, tout en prêtant attention à notre santé. Alors oui, nous pourrions vivre des moments difficiles, peut-être révolutionnaires ou persécutants en 2021. Oui, il pourrait y avoir cet effondrement économique avec des répercussions importantes sur notre quotidien. Tout cela est dans l'air du temps. Ça l'était au moment où j'ai écrit ces lignes, ça l'est de plus en plus maintenant. C'est vrai qu'il est possible que certains perdront beaucoup. Notre vie d'après ne sera plus notre vie d'avant, mais nous pouvons gagner l'esprit collectif, la libération intérieure, la possibilité d'être davantage dans le partage, de pouvoir changer de voie, de repenser nos vies autrement. Et pour cela, eh bien, il faudrait que chacun puisse exprimer sa créativité. Toutes les épreuves qui pourraient arriver en 2021 sont des passages, un passage même. Je dirais la voie de transition qui va nous montrer tout ce que nous devons encore travailler, améliorer, guérir, dépasser, en y ajoutant la droiture et la morale, je dirais, de la lame du pape. Avec le pape, nous savons que nous avons le libre arbitre, que nous sommes créateurs de notre réalité, que tout est accepté. Aussi, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si le monde ne nous convient pas. Aujourd'hui, on râle peut-être beaucoup de la situation actuelle, mais qu'avons-nous fait ces dernières années pour en arriver là? Que n'avons-nous pas fait qui nous a amenés ici? Je vous rappelle, hein, le pape, c'est aussi le fait d'obéir et de se laisser aller parfois à la paresse, à se complaire dans certains excès. Ainsi, avec la numérologie, quand je vous parlais de devoir rester, trouver ou retrouver la voie du milieu, eh bien c'est ce que nous dit aussi le pape, de nous reconnecter à notre lumière intérieure, à notre créativité, à être conscient et responsable de nos actes, de reconnaître nos erreurs, de remédier à certaines erreurs, de se donner le droit d'évoluer tout en étant dans le droit chemin, celui de l'évolution et non de l'involution bien entendu. Un chemin à trouver ou à retrouver dans lequel les écarts sont maîtrisés. Et nous verrons un peu plus tard que justement en 2021, nous allons être énormément dans les écarts, dans les extrêmes, pour obliger à réagir et à retrouver l'équilibre. Alors tout n'est pas pareil pour tout le monde en même temps. Par exemple, certains peuvent expérimenter la perte d'emploi, le manque financier et toutes les conséquences, alors que d'autres auront une chance soudaine qui les sortiront de leur misère. Donc on va être dans des extrêmes, dans des à côté, et le pape nous indique, attention, ne pas céder trop aux tentations, rester logique par rapport à ce qui se présente, accepter les émotions, gérer les émotions, reconnaître les émotions, les comportements qu'ils entraînent et retrouver rapidement la voie du milieu. Donc voilà pour la carte du pape, hein, qui va donc bien plus loin que la bénédiction et la carte positive, ultra positive, hein, qu'elle nous montre au départ. Bien, et bien, passons maintenant à la lame de tempérance. Je vous ai déjà parlé de tempérance l'année dernière, puisqu'elle porte en elle les quatre bâtons de l'empereur, du chiffre 4, qui est dans l'année 2020. Et nous la retrouvons donc en 2021, en additionnant 1 et le 4 du nombre 14, qui nous donne 5, l'énergie de notre année. Donc si tempérance était déjà présente en 2020, eh bien elle sera encore plus importante évidemment en 2021.
Je ne vais pas vous redécrire ici toute la carte de tempérance, je vous invite à revoir les vidéos de l'année dernière si besoin, mais résumons principalement ici que avec tempérance, les choses suivent leur cours. Elles s'inscrivent dans un cycle perpétuel. Elles représentent notamment un temps de travail sur soi pour évoluer, pour comprendre et grandir, et surtout s'améliorer. Cela doit toujours aboutir à quelque chose de mieux, à quelque chose d'évolutif. Tempérance dans le jeu est placée entre les lames de l'arcane sans nom et celle du diable. Elle amène en quelque sorte la notion de mort symbolique et de transformation, de changement inévitable, et en même temps, elle prévient de la possibilité de sombrer dans les abus, dans la facilité, dans le détournement de l'être, le fait de tout accepter comme des évidences, surtout quand on a été privé de tout auparavant. Ceci est une notion importante sur laquelle j'ai envie de passer une ou deux minutes, car il faut vous rappeler que dans notre année 2020, nous avons l'énergie de la lame 13, qui est celle de l'arcane sans nom, et qui est une carte d'énergie destructrice, privative, de transformation, de changement obligatoire, de maladie aussi, et qui parle de transformer tout le quotidien. Et en 2021, nous aurons principalement cette fois la lame du diable, qui sera encore là d'ailleurs en 2022. Mais en 2021, donc le diable sera une des cartes de l'année, que nous allons voir après, et là où on n'a plus rien, lui, il va nous proposer beaucoup de choses. Et le diable, c'est aussi le fait, comme vous le voyez un peu là déjà sur la carte, d'être attaché, d'être ligoté, de ne pas avoir trop de choix. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que cela donne. Donc, en fin d'année 2020 et en début d'année 2021, puisqu'on ne change pas d'énergie au 1er janvier, comme je vous l'ai déjà dit, ces deux énergies, de la carte 13 et de la carte 15, sont toutes les deux présentes. Et c'est pour cela aussi que nous avons là deux ou trois mois fin 2020 qui vont être très difficiles, et les deux premiers mois à peu près de 2021 qui vont être très difficiles aussi. Et tempérance, elle est là au milieu, c'est la seule carte qui est commune aux deux années. Donc tempérance, elle nous prévient, elle nous met en garde, elle nous explique un peu ce que l'on doit faire, ce que l'on peut travailler sur soi, ce sur quoi il faut faire attention. Donc elle est le pont, si vous voulez, quelque part, entre une certaine forme de destruction, de privation et les excès qui peuvent arriver par la suite avec la lame du diable. Elle nous rappelle aussi la nécessité d'être concret et actif dans le monde, tout en restant connecté à sa dimension supérieure. Et dans ce sens-là, eh bien, elle peut aussi permettre les changements dans les modes de pensée et de croyance, avec notamment cette envie de croire en ce qui ne semble pas rationnel ni expliqué par les sciences. Si en 2020, tempérance a permis une évolution spirituelle ou des ouvertures de conscience, son action en 2021 sera décuplée. Le monde ouvre les yeux, le monde est testé, le monde doit prendre conscience et évoluer. Pour comprendre exactement ce que nous demande tempérance en 2021, il faut remonter un peu dans l'histoire du tarot. Le mot tempérance provient de l'ancien français temprance, issu du latin temperantia, qui désigne la vertu cardinale et signifie modération dans les plaisirs des sens. Thomas d'Aquin écrit « La personne qui se modère est celle qui s'oblige à résister à l'attraction des passions et des plaisirs, en particulier d'ordre sensuel quand ils deviennent excessifs. » C'est une carte aussi vulgairement décrite comme mettre de l'eau dans son vin, au Moyen-Âge par exemple. Et notons que tempérance est le seul ange du jeu, et l'ange est normalement une créature pure et éloignée des tentations terrestres. Donc n'allons pas plus loin vraiment sur la carte de tempérance, même si elle sera très importante au cours de l'année. Je vous l'avais déjà décrite dans deux ou trois vidéos, je crois, l'année dernière. Donc nous avons tempérance et nous avons le pape. Deux lames majeures qui seront teintées par les lames mineures que je vous ai décrites juste avant.
Nous avons donc là deux cartes principales, je dirais, de sagesse, de compréhension, de mise en garde. Elles sont complémentaires. Le pape nous demande de nous élever et de rester droit, et Tempérance d'avoir de l'autodiscipline et de la modération. Si le pape est le lien entre le terrestre et le céleste, Tempérance est le guide vers la voie de passage à emprunter pour être parfaitement aligné sur la fameuse voie du milieu. Ce sont tout de même deux cartes qui nous invitent à une certaine prudence et surtout à agir avec intelligence, sans se laisser emporter dans les excès, les mouvances, les peurs, les tentations diverses, les émotions, enfin tout ce que les lames mineures nous ont indiqué. Si Tempérance nous indique l'air du Verseau ou le signe du Verseau, dans lequel justement aura lieu la conjonction Saturne-Jupiter à partir du mois de décembre, eh bien elle nous indique aussi le Verseau, c'est-à-dire l'envers du décor. Et elle nous prévient qu'il est important de voir l'envers du décor, d'envisager les autres possibilités, tout comme elle peut nous parler de l'invisible, des énergies invisibles, mais présentes. Elle peut parler de forces opposées, agissant autant l'une que l'autre, devant trouver un équilibre et une osmose pour coexister, comme elle peut nous parler de complémentarité pour pouvoir évoluer. Si le pape parle d'esprit créateur et de réalisation concrète, Tempérance, c'est le savoir-faire et le savoir-être dans un parfait dosage. Alors tout cela, c'est très bien, nous commençons à avoir beaucoup d'indices, mais de quoi nous mettons en garde ? Que devons-nous tenir à l'œil ? Quels sont les excès qui nous attendent ? Et tout cela, c'est dans la lame du diable que nous allons maintenant avoir des réponses.